Bonjour et bonsoir fidèles téléspectateurs. Bonjour les élèves, moi c'est Grévis Otoko, professeur de français. Le vôtre, celui qui est là pour vous informer, pour vous apprendre et pourquoi pas aussi pour enrichir nos connaissances scientifiques. Pour les élèves de 6e, aujourd'hui je suis venu toujours continuer avec la notion sur la compréhension du sujet. L'autre fois nous avions parlé sur la compréhension du sujet. Mais on n'a pas terminé. Aujourd'hui, nous venons apprendre, parce que l'autre fois, nous avions parlé sur les énoncés simples, comment faut-il comprendre un sujet de dissertation. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours avec cette notion de la compréhension du sujet. La dissertation française. Dissertation française. La dissertation française. Aujourd'hui, toujours avec la compréhension du sujet, nous voulons continuer. Notre sujet aujourd'hui, c'est la compréhension du sujet. Comment faut-il comprendre un sujet de dissertation? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la compréhension d'un sujet de dissertation? La compréhension du sujet. Mes élèves de 6e, vous devez me suivre avec attention parce qu'il y a une épreuve de dissertation qui vous attend. Alors, je dis que l'essentiel pour connaître un sujet de dissertation, c'est de reconnaître aussi sa nature. Parce que si vous ne reconnaissez pas la nature d'un sujet de dissertation, eh bien, vous serez vraiment dans une confusion totale pour bien saisir la pensée réelle exprimée par l'auteur. L'autre fois, nous avons parlé sur les énoncés simples. Je vous ai dit que les sujets de dissertation sont catégorisés en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les énoncés simples. Deuxième catégorie, les phrases et sentences, le proverbe, le fable et autres. Et troisième catégorie, ce sont les énoncés complexes. Aujourd'hui, nous sommes venus parler d'un adage. Lorsque vous êtes devant un sujet qui est une sentence, qui est un adage, comment vous pouvez procéder à la compréhension d'un tel sujet de dissertation? Aujourd'hui, nous avons un sujet de dissertation que nous allons traiter. C'est un sujet qui concerne le thème du travail. Et c'est un sujet qui a été donné par un auteur chinois, Confucius, celui qui a parlé beaucoup sur le domaine du travail. Il a dit ceci. Le sujet que nous voulons traiter, c'est celui-ci. Si tu me donnes, si tu me donnes un poisson, si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui. Je mangerai aujourd'hui si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain j'aurai encore faim. Et demain j'aurai encore faim. Demain j'aurai encore faim. Ok. Si tu m'apprends à pêcher, si tu m'apprends à pêcher, si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim.
expliquer. Ça, c'est le type de travail. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ça, c'est l'adage de Confucius. Confucius nous dit ceci. Si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain, j'aurai encore faim. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Ça, c'est un adage chinois donné par Confucius. Mais non, nous sommes devant un énoncé, nous sommes devant un adage. Alors, pour un adage, nous n'allons pas définir le mot-clé. Suivez-moi très bien, les élèves de 6e. Parce que je ne mérite pas que vous ayez beaucoup de confusion pour procéder à la compréhension d'un sujet de dissertation. Parce que c'est un exercice de maturité et que vous devez bien comprendre avant de procéder à la compréhension. Ici, je ne vous enseigne pas encore l'introduction d'un sujet, ni le développement, ni encore moins la conclusion. Mais je suis en train de vous montrer de pratiques, de méthodes ou la marche à suivre pour comprendre un sujet de dissertation. Eh bien, tous les sujets de dissertation ne se comprennent pas de la même manière. Alors, aussi, nous avons un adage. Dans le cas d'un adage ou d'un proverbe et d'une sentence, vous devez comprendre que nous n'allons pas procéder à la définition de mots-clés utilisés par l'auteur. Mais comment nous allons faire? Regardez, on nous dit un proverbe ou un adage. Un proverbe ou un adage est une expression, c'est une expression métaphorique. Un proverbe ou un adage est une expression métaphorique. Est une expression métaphorique dont il faut quoi? Dont il faut décrypter les images. Dont il faut décrypter. Décrypter les images. Condition sine qua non. Dont il faut décrypter les images. Condition sine qua non pour accéder au sens du texte. Condition sine qua non pour accéder. Pour accéder au sens du texte. Au sens du texte. Regardez maintenant la différence avec une sentence ou un proverbe. Dans le cas d'un énoncé simple tel que nous avons traité autre sujet, l'argent fait le bonheur, on nous demande de saisir le mot-clé et de définir le mot-clé pour arriver à la reformulation du sujet. Maintenant, devant un proverbe ou un adage, je n'ai pas à définir le mot-clé. Pourquoi? Parce que ce sont les images qui sont utilisées. Ce sont les images. Alors, parce que ce sont les images qui sont utilisées, devant un proverbe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire le sujet de façon plus attentive et saisir les images qui sont utilisées. Et je dois souligner même dans le sujet, les images qui sont utilisées, chercher à décrypter, à piocher la vérité qui est caché dans ces images-là. Voilà pourquoi je dis un proverbe ou un adage est une expression métaphorique. Lorsqu'on parle de la métaphore, on voit une comparaison cachée. La métaphore nominale, la métaphore verbale, il y a plusieurs sortes de métaphores que vous avez apprises parce que ce sont des figures de style. Mais non, parce qu'il s'agit d'une comparaison cachée. Alors, je ne peux pas définir le mot tel que se présenter, mais je dois chercher à décrypter les images. Par ces mots, quelle est la vérité qui est cachée? C'est ça pour un adage ou un proverbe. Et voilà pourquoi la condition sine qua non pour accéder au sens d'un proverbe ou d'une sentence ou d'un adage sera celle de décrypter les images. Suivez-moi très bien. Devant un proverbe, devant un adage, chers élèves, ne cherchez pas à définir le mot-clé, mais cherchez à décrypter les images. Cherchez à comprendre dans cette image que l'auteur a utilisée, qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Et qu'est-ce qu'il a caché? Parce que c'est la métaphore qui est employée. C'est une expression métaphorique. Il y a une comparaison cachée. Il y a une vérité cachée utilisée dans l'exantype de cette phrase. Alors maintenant, en tant qu'élève, parce que c'est un exercice de maturité, je dois maintenant procéder à souligner les images qui sont utilisées. Maintenant, dans ce sujet ici, l'auteur nous dit très bien que si tu me donnes un poisson, je mangerai seulement aujourd'hui et demain j'aurai encore faim. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Ça, c'est un adage chinois. Et dans ce sujet, comment nous allons procéder pour arriver à la compréhension de ce sujet? Nous soulignons maintenant deux articulations ou des phrases. Ce que nous avons à faire dans tout ce sujet, c'est de comprendre qu'est-ce que donner un poisson et qu'est-ce qu'est apprendre à pêcher. C'est ça le deux phrases qui cache toute la vérité de ce sujet. L'auteur a utilisé les poissons, il a utilisé la pêche. Mais en réalité, est-ce qu'il nous parle de poissons? Il nous parle de la pêche. Et comprenez une chose. Lorsque vous êtes devant un adage, devant une sentence, devant un proverbe, ce que vous devez faire, c'est de ramener cette pensée à la vie humaine. On peut parler des arbres, on peut parler des étoiles, on peut parler, je ne sais pas, des animaux, mais la finalité serait qu'on est en train de parler de la vie humaine. C'est ce que vous devez comprendre. Là où on a utilisé les poissons, les arbres, des images, ramenez cette pensée à la vie humaine et vous allez comprendre ce dont l'auteur veut nous parler. Maintenant, dans ce sujet ici, nous avons deux articulations, des images qui sont utilisées et que nous sommes censés comprendre ces images pour mieux arriver à disserter notre sujet. Ici, nous avons donner un poisson et apprendre à pêcher. C'est bien qu'ils disent, si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés là. Mais les mots qui nous intéressent, c'est seulement donner un poisson et apprendre à pêcher. C'est ça le mot qui nous intéresse dans ce sujet. Ça, c'est un adage chinois. Alors, vous allez comprendre, après cette manière, vous allez comprendre comment nous ne pouvons pas définir tous les mots-clés. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés là. Mais les images que nous devons saisir, c'est donner un poisson et apprendre à pêcher. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que devant un pareil sujet, vous n'allez pas définir tous les mots-clés, mais ce que vous allez faire, c'est de décrypter les images qui sont utilisées, lire attentivement le texte et comprendre où sont cachées les images telles que nous avions dévoilées ici. Les images sont cachées dans « Donner un poisson et apprendre à pêcher ». Alors, regardez comment nous pouvons arriver à la compréhension de ce sujet. Nous devons saisir maintenant les images de ce sujet ici. Nous devons comprendre qu'est-ce que l'auteur veut nous dire par donner un poisson et qu'est-ce qu'il veut nous dire par apprendre à pêcher. Parce que ce sont les images qui sont utilisées. Alors, nous avons d'abord la première articulation ou image utilisée, c'est donner un poisson. Donner un poisson. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire par donner un poisson? Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire ici? Pardonner et poisson. C'est ça la première image que nous devons comprendre dans ce sujet. Chers élèves, lorsque vous êtes en train de décrypter les images devant un proverbe, il faut focaliser beaucoup plus attention à la logique de la pensée de l'auteur. Sinon, vous risquez d'avoir deux ambigus. Vous risquez d'avoir deux interprétations contraires qui ne cadrent même pas avec les images utilisées. Maintenant, arrivons à analyser le sujet. Si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain j'aurai encore faim. Qu'est-ce que cela veut nous dire? D'abord, la première articulation commence à partir de « si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain j'aurai encore faim ». Ça, c'est la première articulation. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire dans cette première articulation? C'est ça ce dont nous voulons comprendre dans cette expression « donner un poisson ». Alors, « donner un poisson » signifie, que cela signifie selon la pensée de l'auteur? « Donner un poisson » signifie le fait, signifie le fait de penser, signifie le fait de penser au don
aux dons, aux cadeaux. Je fais passer aux dons, aux cadeaux et aux aides. Alors, regardez. Donner un poisson, selon l'expression de l'auteur, ça nous dit, signifie le fait de penser aux dons, aux cadeaux et aux aides. C'est une personne qui ne travaille pas, une personne qui ne fait que penser aux dons. J'ai un oncle en France, j'ai un oncle au Congo-Brazza, il m'enverra quelque chose, il fera ceci pour moi. Et alors cette personne croise le bras et ne travaille pas. Cette personne n'a que la pensée de l'aide, la pensée des cadeaux. On va lui faire quelque chose, on va lui offrir quelque chose, on l'enverra quelque chose auprès de son grand frère, auprès de sa famille. Mais cette personne ne travaille pas. Voilà pourquoi donner un poisson, ça implique quoi? L'effet de penser aux dons, aux cadeaux et aux aides implique ce qui implique. Cela implique le fait d'être sous la dépendance de quelqu'un. Le fait d'être sous la dépendance de quelqu'un. Ok. Vous comprenez maintenant, lorsque l'auteur nous dit « Si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain j'aurai encore faim. » Alors, dans donner un poisson, nous avions vite compris que donner un poisson signifie le fait de penser aux dons, aux cadeaux et aux aides. Alors, cela implique quoi? Cela implique le fait d'être sous la dépendance de quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque l'auteur dit « Si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain j'aurai encore faim. » Cela veut dire lorsque j'aurai encore faim demain, j'attendrai à ce que tu m'amènes encore un autre poisson pour soulager ou soit pour combler, ou je ne sais pas moi, un besoin que j'ai. Donc c'est pourquoi l'auteur a dit « donner et poisson ». Donc l'expression « donner et poisson » veut dire le fait de penser aux dons, aux cadeaux et aux aides. Et cela implique le fait d'être sous la dépendance de quelqu'un. Et de quelle vie l'auteur est en train de parler dans ce sujet? L'auteur est en train de parler de la vie d'un paresseux ou un oisif. Il s'agit ici Il s'agit ici de la vie d'un paresseux. Il s'agit ici de la vie d'un paresseux ou d'un oisif. Oisif ou oisive. Alors, regardez par cette première articulation, l'auteur a utilisé les poissons, il a utilisé la famine. Or, dans le poisson et la famine, l'auteur nous a caché une vérité telle que il est en train de parler de la vie d'un paresseux ou d'un oisif. Un oisif, c'est une personne étrangère aux saisons. Lorsque les amis travaillent, lui croisent le bras. Lorsque les amis étudient, lui restent à la maison. Et lorsque les amis récolteront le fruit de leur travail, lui va commencer à s'étonner, il va commencer à leur quémander, à leur demander. Il va commencer à mendier. Pourquoi? Parce qu'il était étranger aux saisons. C'est ça, un oisif ou une oisive pour une fille. Alors, maintenant, donner un poisson, l'auteur nous a ramené dans la logique de la vie d'un paresseux ou d'un oisif. Voilà pourquoi il dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain j'aurai encore faim. Cela veut dire, quand j'aurai encore faim, je vais toujours recourir vers toi, je vais dépendre de toi. Donc cela implique la dépendance, la vie de la dépendance. Et la vie de la dépendance, c'est la vie d'un paresseux, la vie d'un oisif. Celui qui est étranger aux saisons, celui qui ne fait que croiser les bras lorsque les amis cherchent, et après que les amis aient récolté le fruit de leur travail, il va se présenter devant ses amis pour devoir demander quelque chose, demander une aide. Donc vous voyez maintenant comment nous sommes en train de parler ici. Donc dans donner un poisson,
l'auteur veut nous parler de la vie de la dépendance. Parce qu'il a bien explicité, donner un poisson. Il n'a pas dit donner des poissons. Un seul poisson, si vous le mangez aujourd'hui, même si ça sera un requin, vous pouvez manger même pendant une semaine. Mais après cette semaine-là, ça sera terminé. Et vous en aurez encore besoin. Donc, donner un poisson signifie la vie de la dépendance. Et la vie de la dépendance, c'est la vie d'un paresseux ou d'un oisif ou une oisive. Donc, j'espère que vous avez compris cette première articulation. Nous prenons maintenant la deuxième articulation. La deuxième articulation, c'est apprendre à pêcher. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire par apprendre à pêcher? L'auteur nous parle de la pêche ici. L'auteur ici, il nous parle de la pêche. Il dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain j'aurai encore faim. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais. J'aime cette prétention et cette précision de Confucius. Confucius le dit très bien que je n'aurai plus jamais. C'est une évidence. L'adverbe jamais vous dit beaucoup de choses. Je n'aurai plus jamais, c'est-à-dire plus jamais la famine dans ma vie. Lorsque j'apprendrai la pêche, je n'aurai plus jamais la famine dans ma vie. Arrivons d'abord, restons d'abord dans la logique de l'auteur. Il dit, si tu me donnes des poissons, je mangerai aujourd'hui. Demain, j'aurai encore faim. Et lorsque vous m'en prendrez à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Et c'est vrai ce que l'auteur dit. Parce que lorsque moi-même, je maîtrise la technique de la pêche, eh bien, à chaque fois que j'aurai besoin de poissons, je descendrai moi-même à la rivière, je descendrai moi-même à la mer, je jetterai la maison, je jetterai le filet parce que je connais la technique de la pêche. Et alors, je n'aurai plus jamais faim. Comment? Parce que je peux attraper beaucoup de poissons aujourd'hui. Je dois équilibrer cela pendant une semaine. Lorsque je trouverai que mes poissons veulent s'épuiser ou ma provision s'épuise bientôt, alors je descendrai encore à la mer pour s'en provisionner. Voilà la pensée de l'auteur. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par apprendre à pêcher? Apprendre à pêcher signifie. Que cela signifie? Suivez-moi très bien, les élèves finalistes. Je vous aime beaucoup. Je suis l'amoureux du savoir. Apprendre à pêcher signifie. Que cela signifie selon la pensée de l'auteur? Parce que nous sommes en train de décrypter les images. Nous sommes en train de piocher dans un carton les images qui étaient cachées par l'expression de l'auteur. Alors, apprendre à pêcher signifie s'exercer un métier. S'exercer un métier. S'exercer un métier. Ou encore fournir un effort personnel. Fournir un effort personnel. Apprendre à pêcher ici, selon l'expression ou l'image utilisée, apprendre à pêcher signifie s'exercer un métier. Lorsque je m'exerce un métier, lorsque je fournis mes efforts personnels. Et quand je fournis mes efforts personnels, la conséquence, c'est laquelle? La conséquence, c'est ce que je vivrai dans l'indépendance ou dans l'autosuffisance. Ok, voilà. Apprendre à pêcher signifie s'exercer un métier, fournir un effort personnel, ce qui implique. Cela implique quoi? Ce qui implique l'indépendance. Ce qui est plus que l'indépendance. L'indépendance ou l'autosuffisance. J'aime ce terme ici. Autosuffisance. J'aime bien parler de l'autosuffisance. Lorsque l'auteur nous dit, si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Cela veut dire, lorsque j'exerce mes efforts personnels,
Lorsque j'exerce un métier, moi là, je serai capable de m'autosuffire. Je serai capable de vivre dans l'indépendance, c'est-à-dire je ne dépendrai de personne. Je ne dépendrai de la personne qui m'apporte le poisson, mais parce que je connais la technique de la pêche, eh bien, moi-même, je vais commencer à disposer le bien de mon gré. Donc, à chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose, parce que je m'exerce un métier, je fournis mes efforts personnels, et alors je vivrai dans l'autosuffisance. Je me parlais de l'autosuffisance parce que je m'autosuffise de moi-même. Je m'autosuffise. Donc, c'est ça l'expression « apprendre à pêcher ». Donc, vous comprenez que dans un proverbe ou dans un adage, on ne va pas définir le mot-clé, les définitions littéraires de mots, non. Nous allons chercher à décrypter les images. Alors ici, lorsque l'auteur nous parle de l'indépendance ou de l'autosuffisance, il s'agit de la vie d'un travailleur. Il s'agit ici de la vie d'un travailleur. La vie d'un travailleur. Il s'agit ici de la vie d'un travailleur ou d'un ouvrier. Ouvrier ou une ouvrière. Alors, lorsque j'exerce un métier, lorsque je fournis mes efforts personnels, je vivrai dans l'indépendance. Je vivrai dans l'autosuffisance parce que je fournis mes efforts personnels. Imaginez, lorsque vous ne fournissez pas vos efforts personnels, lorsque vous êtes dans la vie de la dépendance, vous avez soit besoin de manger la viande boucanée aujourd'hui, mais parce que tu vis chez ton oncle, tu ne fournis aucun effort, tu vis dans la dépendance, tu avais besoin de manger la viande boucanée et les programmes de l'oncle étaient de manger les oseilles par exemple. Vous mangerez l'oseille pas à votre besoin, pas à votre goût, pas à votre gré, parce que vous ne travaillez pas. Mais lorsque vous travaillez, vous serez capable de disposer le bien de votre gré. Vous mangerez ce dont vous avez besoin. Voilà l'expression « apprendre à pêcher ». L'auteur nous a parlé de la pêche, « apprendre à pêcher ». Il y a une erreur ici, on a oublié « R ». C'est le verbe « apprendre à pêcher », oui. Alors, lorsque l'auteur nous parle de la pêche, il ne nous parle pas de la pêche comme la pêche, comme la technique qui se passe dans le mer, dans les rivières. Il a voulu nous ramener dans la logique telle qu'il veut que l'homme puisse fournir ses efforts personnels. Il veut que l'homme puisse travailler plutôt que de croiser les bras. Parce que la personne qui n'attend qu'un seul poisson, cette personne vivra dans la dépendance. Et celui qui aime le travail, celui qui travaille, celui-là vivra dans l'indépendance ou l'autosuffisance. Voilà les deux images que nous avons saisies dans cette expression, dans cette pensée de l'auteur. Donner un poisson signifie la vie de la dépendance. Et la vie de la dépendance, c'est la vie d'un paresseux ou d'un oisif. Apprendre à pêcher signifie le fait de s'exercer un métier, de fournir son effort personnel, et cela implique la vie de l'indépendance ou de l'autosuffisance. Et lorsqu'on parle de l'indépendance ou l'autosuffisance, on parle clairement de la vie d'un travailleur, la vie d'un ouvrier, parce que celui qui travaille, il connaît déjà qu'à la fin du mois, j'aurai ma rémunération, mon salaire, et alors il est capable d'organiser ce moindre salaire qu'il reçoit avec les besoins de sa vie. Alors, ce n'est pas encore fini. Ces deux conduites ici ont leurs effets. Je me gardais ce texte-là parce que je vous permets d'écrire là où vous êtes à la maison, vous êtes dans un bureau. En tout cas, cette leçon ici, je voudrais un peu préciser. Ce beau cadre ici ne concerne pas seulement les élèves, ça concerne tout le monde. Vous aviez appris certaines notions élémentaires de cours de français et qu'après quelques années, c'est oublié. On est humain, on peut oublier certaines choses. Et voilà le beau cadre pour vous de s'enrichir, de s'informer. Et pourquoi pas aussi, si vous avez besoin d'une formation,
Et nous sommes là disponibles. Vous avez besoin de l'encadrement de vos enfants à la maison. Partout où vous êtes, appelez-nous dans ce numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Et nous sommes disponibles pour une formation accélérée, une formation moyenne et autre chose. Alors, les déconduites ici ont leurs effets. Je chute par là. Ces déconduites ont leurs effets. Les dons peuvent ne pas assouvir la soif. Quand je parle de dons, je parle de donner et poisson, je parle de la vie, de la dépendance. Les dons peuvent ne pas assouvir la soif, ni calmer la faim. Les dons aident pour un temps. Les dons peuvent vous aider pour un temps, ça peut vous aider pour 2 jours, ça peut vous aider pour 2 semaines. Les dons soulagent, mais ne comblent pas le besoin. Les dons ne peuvent pas étancher la soif. Les dons ne peuvent pas assouvir. Je mets bien le verbe assouvir, exterminer. Donc, les déconduites ici ont leurs effets. Les dons ne pas assouvir la soif, ni calmer la faim. Ils soulagent. Ils aident pour étant, mais ne comblent pas le besoin. Les dons ne comblent pas le besoin, selon Confucius. Les dons est éphémère, c'est-à-dire ça ne dit qu'à moitié. Quelque chose qu'on vous a donné lorsqu'on vous donne un poisson, ça peut vous servir quand on vous donne un montant d'argent, $100, ça peut vous servir pour 2 jours, ça peut vous servir pour 1 jour, ça peut vous servir pour quelques besoins, mais ça ne va pas combler le besoin dans ta vie. Non, selon la pensée de Confucius, les dons est éphémère. Les dons ne peuvent pas assouvir la soif ni calmer la faim. Il aide pour étant, il soulage, mais ne comble pas le besoin. D'où l'expression de l'auteur, je mangerai aujourd'hui. Donc, je mangerai aujourd'hui, c'est ça l'expression que l'auteur nous parle sur le don. C'est-à-dire, le don est éphémère. Le don ne dit qu'à moitié. Donc, l'expression je mangerai aujourd'hui est utilisée, l'expression je mangerai aujourd'hui ici. Cette expression « je mangerai aujourd'hui » est utilisée pour expliquer que le don est éphémère. « Je mangerai aujourd'hui » est utilisée dans ce sujet pour nous expliquer que le don est éphémère, c'est-à-dire le don ne dit qu'à moitié. Le don peut soulager pour un temps, ça peut aider pour quelques minutes, mais ça ne comble pas le besoin. D'où l'expression de l'auteur « je mangerai aujourd'hui ». Cela veut dire, les dons ne dirent qu'à moitié, les dons est éphémère. Alors, deuxième conduite pour chiter, deuxième conduite. Mais au contraire, lorsqu'on fournit son effort personnel, lorsqu'on s'exerce un métier, on peut combler le besoin à chaque fois qu'il le faut. Parce que je suis un travailleur, je fournis mes efforts personnels. Alors, je suis capable de combler le besoin à chaque fois qu'il le faut, de disposer le bien de mon gré. Je dispose que le lundi, je mangerai les gombos, le mardi, je mangerai le poisson salé, le mercredi, la viande boucanée, le jeudi, les loseilles. Donc, je dispose le bien de mon gré parce que je travaille. Lorsqu'on produit par soi-même, on peut combler le besoin à chaque fois qu'il le faut. On dispose le bien de son gré. C'est ça l'expression de l'auteur, je n'aurai plus jamais faim. Donc cette expression dans le sujet, je n'aurai plus jamais faim, est utilisée pour dire que lorsqu'on travaille, on est capable de disposer le bien de son gré. On est capable de combler le besoin à chaque fois qu'il le faut. Voilà l'expression, je n'aurai plus jamais faim. Maintenant, pour la reformulation de ce sujet, veut tout simplement dire l'apprentissage d'un métier vaut mieux qu'un don. C'est ce que nous devons comprendre pour la reformulation de ce sujet. L'apprentissage d'un métier vaut mieux qu'un don. Donc pour Confucius, vaut mieux m'apprendre un métier plutôt que de me donner un don qu'une vague durée pour quelques jours et après je dépendrai toujours de toi. Donc, selon la pensée ou la reformulation de ce sujet, l'apprentissage d'un métier vaut mieux qu'un don. Le travail met à l'abri du besoin et les dons nous y exposent.
Nous sommes à la fin. Le promoteur qui veut faire promotion, marketing, publicité de vos écoles, nous sommes disponibles pour la promotion de vos écoles. Appelez-nous partout où vous êtes, nous sommes bien disposés pour le promoteur qui veut faire promotion de leurs écoles et pour les parents, même si vous êtes une vieille maman, vous êtes un vieux papa, vous avez un problème de langue, vous avez un problème de notions élémentaires pour le style français, appelez-nous, nous sommes disposés, nous sommes disponibles pour vous. On se retrouve demain. Au revoir.